Ibra, jeune lycéen à Kaya, dans la province du Salmantinga, nous montre avec ses copains comment, aujourd'hui, la grande majorité des Burkinabés cultivent la terre pour se nourrir et tentent de survivre selon les saisons. Qu'est-ce que vous allez planter alors? Du mil, ouais. Du sorgho, de l'haricot, pas de terre. D'accord. Ouais. Mais vous avez combien d'hectares là? Un demi hectare. D'accord. Un demi hectare. Ouais. L'âne, la charrue, la daba, ainsi que les graines chimiques sont aujourd'hui, pour 80% de la population, les seules ressources disponibles pour se nourrir. C'est dur? Non, c'est dur. C'est dur? Ouais, ouais, c'est dur. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous auriez besoin pour faciliter un peu plus la culture? La culture? Ouais, de l'engrais chimique. Ah ouais? Ouais, l'engrais chimique. Ensuite, le matériel culturel. Ouais. Ouais, tel que la charrue, c'est insuffisant. Ouais. Au Burkina Faso, l'autosuffisance alimentaire est encore trop fragile, malgré les efforts des agriculteurs qui font tout ce qu'ils peuvent avec des moyens dérisoires. La daba, donc, c'est l'outil que tout Burkinabé a pour s'aimer. Pour semer. Oui, c'est de s'aimer et à creuser le trou aussi. D'accord. Ouais, ouais. C'est un outil ancien. Oui, c'est un outil ancien. C'est archaïque en tout cas. C'est archaïque. Ouais. Ça là. Ouais. Ça c'est Chojo. Son nom, c'est le Myxomycète. Oula. Oui, oui. Ça bouffe les graines, ça, non? Non, quand il pleut. Oui. Quand il pleut, ça suit les choses. C'est pas mal. Ça suit la pluie. Ah, ok. Et ça sort. Mais il n'y a pas ça en simple. En chien, il n'y en a pas. Ouais. Est-ce que la saison va être bonne? La saison, on croit. Oui. Nous croyons que ça sera bonne cette année. Mais l'an passé, ça a été très très mauvaise. L'an passé. Mais cette année, ça va aller. En 2007, à cause de la sécheresse dans le nord et des inondations dans le sud, la sécurité alimentaire de milliers de paysans était fortement menacée. Conjuguée à une hausse des prix des matières premières et confrontée au ras-le-bol général des paysans au travers de ce que l'on a appelé les émeutes de la faim, la Banque mondiale a aujourd'hui distribué 3500 tonnes de semences améliorées, de mil, sorgho, maïs, haricots et riz, à 140 000 ménages du Burkina Faso. Combien de temps ça va mettre à pousser les graines que vous allez semer aujourd'hui? Trois jours. Ça prend trois jours. Trois jours pour germer? Oui, oui, pour germer. Et récolter dans combien de temps? Dans trois mois. D'accord. Ouais, ouais. Juste avant la saison sèche? Oui, juste avant la saison, au mois de décembre. D'accord. Ouais. Aujourd'hui, le pays devient donc un laboratoire grandeur nature pour tout type de semences. On le prend? Oui. On met ça ici. Comme ça? Oui. On sème? Oui. On lève, on met. Ah, ok. Ouais. Ok. On fait comme ça. Comme ça. On va s'aimer, tu vas voir comment on s'aime. Tous les moyens semblent bons, donc, pour lutter contre la faim dans le monde et faire en sorte que ce fléau ne soit plus une fatalité. Trouver de nouvelles manières de cultiver ou expérimenter des semences dites améliorées semble être aujourd'hui les seules alternatives que l'on impose aux milliers de paysans burkinabés pour assurer leur sécurité alimentaire.